Ma couronne! Tout le monde, bonjour, c'était Camon. Je suis avec ma camarade Luma, l'exterminatrice, la vampire. Bonjour Luma. Salut, salut. 11e épisode en Kingdom to Crown en version Deadland. Je rappelle, c'est des skins gratuits, vous avez le Shogun aussi. Et on s'apprête à quitter l'île. Moi, je retourne au phare, parce que je vais l'upgrade au niveau 2. On a les renforts à droite de ton côté, tu vas gérer la dernière attaque d'un petit portail. On essaie de bien raser l'île et de laisser que le gros monstre en fait. Mais n'empêche qu'il faudra retourner sur chaque île détruire les monstres finaux. Punaise. Eh oui. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Oh, je suis revenu en arrière. Donc là, ouais. Bon, là je monte encore un autre mur en fait. Pour avoir vraiment triple protection. Ok. Là, il m'avait fait peur les géants. Puis je lancerai l'attaque du coup le lendemain. Ah oui, d'avoir fait un petit renfort en mur, en bois, ça fait palissade bois derrière, d'accord. Tout bon. Donc là, pas prendre. On avance. Bon, et côté monture, j'ai pas de bol hein, pour l'instant, moi. Parce que le gros machin, bof. On n'upgrade pas la ferme. On résiste. Alors le phare, j'y suis. J'ai assez. Hein. Oh, oh. Je me fais le luxe de faire un autre portail. Comme il faut. On va le caler à côté. Et nickel, les catapultes se sont re-téléportées près du mur. Ça, c'est bien. Bon. Ma chère Luma, tout va bien. Je reprends de l'argent. Il reste plus qu'à gérer l'attaque. Tu es le général en chef. Bah du coup, ouais, je pense que... Bah demain matin, je lance l'attaque et puis... Et puis tu laisseras tout ton argent à Paptimus avant de partir. Bah si, faut que tu payes le bateau. Faut que tu payes le bateau quand même et puis... Le bateau est bien avancé, mais ouais, je peux encore... Il n'est pas encore tout à fait... Bah je faisais un petit coup encore, je crois que c'est 2 pièces pour le lâcher à l'eau. Ok, là c'est bon. Alors, ok, j'ai 3 catapultes et 2 lanciers, je pense que ça bug encore un petit peu. Oh, trop d'or. Trop d'or. Tout ce bling qui tombe à l'eau. Allez. Ah mais ça en finit pas le bateau. Lune rouge, j'arrive. Je suis loin mais j'arrive. T'as lancé l'attaque? Ah non, non, non. C'est la lune rouge, donc voilà. Ça aurait pas été une bonne nuit pour lancer l'attaque, de toute façon. J'en fais quelques archers, alors. Ouais, c'est toujours utile. Oh là 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 là. Ça y est, on achève le bateau. Je suis trop loin. Je me dépêche, hein, Lima. Pour l'instant, ils sont pas encore arrivés. Je leur semer. Ah, ça y est, ils arrivent. Je suis au bateau. Premier mur. Allez. Oh là, faut que ça tienne. Tant qu'il n'y a pas de géant, ça va tenir. Ah, puis là c'est bien. Ouais. C'est bon. Ah, merde. Il avance trop vite là, c'est pas juste. Bon, eh ben. Taïo. C'est bon, il fait chaud. On a que 2 chevaliers. Eh oui, bah oui, ils sont déjà fait rouler dessus, donc... Bon, par contre, ils ont l'air d'avoir l'argent qu'il faut. Ok, j'avance vraiment. Est-ce qu'on aurait le temps de déboiser? Non.
Ah Non, non, laisse ouais. les builders reconstruire le mur, histoire qu'il soit bien solide pour la contre-attaque, hein. J'aime beaucoup mon fouet, mais je suis tenté par le sorcier. Je suis sûr que je me transforme en vampire avec lui aussi. Puis en plus, j'ai une catapulte figée. Bon, je vais voir si je peux... Bon, déjà, le bateau, c'est fini. Ah, mais il est loin, ce portail! Allez, voilà. Allez, c'est l'assaut. Et après, on s'en va. 11e épisode, si je ne l'ai pas encore dit. C'est de la folie à climat. On n'arrête pas. C'est vrai que les années 2000, on a vu la naissance et l'arrivée des coachs. Est-ce que tu es mon coach? Non, non. Pas au moins la même philosophie. Juste partenaire de jeu, c'est très bien. Allez, ça se défonce bien à deux archers là. Allez, allez! Enfin, deux chevaliers, je veux dire. C'est presque tombé. Du coup, je vais rester en défense à la droite. Hein. Ça commence à piquer. Ben, on va rentrer, hein. En plus, on va se taper une nuit derrière. Ouais. Ils sont tous en train de se planquer. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer des pièces derrière? Bof. Oh là 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 là. Allez, on rentre au palais. Ah, ils ont beaucoup d'autres affaires. J'ai peur qu'on perde des armées. Hein. Ah, mais il y a encore plein d'archers. Ouais, mais bon, je vais en faire quelques-uns quand même dans le doute. Et quelques albas. Ok, les troupes arrivent. Qu'on aura du géant. Ouais. Ou pas. Bah, il y a forcément du géant pour les revanches. Ah, punaise, punaise des blagues. Et là, et là. Bon, pour l'instant, ça tient bien. Ah, les volants. D'accord. Je peux pas congeler ouais, les volants. Ça... On y croit, hein. Ouh là 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 là, il y a un gros avec un machin dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est sa reprise, ça la face des murs. Ma couronne. Ma couronne. Oh, oh, oh. Il a ma couronne. Oui. Comment ça, il a ta couronne? Mais je l'ai perdu. L'autre machin... Comment ça se fait que tu joues? Parce qu'on est à deux. Ah, misère! Est-ce que let's play est fini? En sérieux, ma couronne, il l'a emmenée? Bah, ouais, ouais. Et puis là, c'est dans la caverne, on peut pas la récupérer pour l'instant. C'est-à-dire que j'ai plus le droit à l'erreur, là? Bah, je sais pas quoi. Normalement, quand t'as perdu la couronne, t'es mort. Mais oui. Le bug du multi, je ne sais pas. Est-ce que tu veux qu'on fasse une transition, qu'on redémarre le jeu pour voir ce qui se passe? Peut-être, mais dans ce cas, je vais d'abord donner les sous au banquier. Attends, c'est pas logique. Moi, je vais à droite complètement voir si je récupère pas ma couronne. Ok. C'est le jour, c'est le matin, c'est quoi? Ouais, c'est le matin. Attends, il y a encore un Bobby là, mais.
J'ai plus le droit à l'erreur, les amis. Eh ouais, non, non, mais il est dans le portail, il faudra aller la chercher. Oh, punaise. Bon, bah, je rentre à l'abri. Moi, je pense qu'il n'y a même pas besoin de redémarrer, on va faire le bateau, hein. Ah bah, le bateau, là, il est prêt, il n'y a plus qu'à lancer la cloche et... D'accord. Et on est reparti. Et oui, et du coup, t'as plus de gemmes, t'as plus rien. Si, j'ai mes 3 gemmes, j'ai de l'argent, mais c'est ma couronne, quoi. D'accord, ils ont... Ah, c'est le truc bondissant. Ah, c'est de la saloperie, ça. Eh oui, oui. Mais c'est quand même bizarre qu'il t'ait pris la couronne et qu'il t'ait laissé tout le reste. Je crois qu'on a droit de l'île. Mais écoute... ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est un bug. Sinon, les amis, c'est la fin du let's play. Je sais pas, on verra. Parce que si on doit redémarrer tout, on reviendra pour la quatrième île. Ouais, t'as de l'argent à plein ? Pas à plein, j'étais en train de regarder. Ouais. D'accord. Parce que, ouais, bon, bah, moi j'ai mis. J'ai surtout remis une bonne dose à la banque, mais. Tristement, je rentre à la maison. Ouais. Ah, bah, il y a le fermier là, c'est bon. Lance la cloche quand même, le temps qu'ils arrivent tous. Ah, ouais. Mais c'est bon là. Oh là 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 là. Ah, c'est quoi ? Je peux pas activer la cloche. Je n'ai plus ma couronne. Ah. Et les autres trucs, tu peux les activer comme avant ou... Bah, je peux jeter les pièces au sol. Ouais. Oh là, ça pue. Je ne suis plus leur souverain. Ouais, ça craint, ça. Ouais, ouais. T'es où, Lima? T'es au château? Pas encore. J'arrive, j'arrive. Ah ouais, non, mais... Deg. Je peux même pas prendre pépé sur moi, tu vois. Ouais. D'accord, et tu peux... Ouais, tu peux rien upgrader, ça... Non, non, non. Ouf, ça va être chiant, ça. Ah oui, dis donc, il y aura plus que toi. J'ai quand même mon fouet. Ah, c'est moche. Bah, c'est bien, déjà, mais waouh. Vas-y, lance la cloche. Ça va être bien chiant. Alors, il y a déjà un builder. Voilà, ça arrive. L'armée de paysans veut venir avec nous ? Non, non. Non, ils viennent pas. On va attendre les chevaliers. Et oui, on est bon. De toute façon, je crois qu'on peut monter en bateau, mais partir en passant tout le monde. Je suis pas sûr. T'es chargé à blindes niveau pièces. Ah oui, oui, oui. Ok. Attends, rapproche-toi parce que là je vois pas. Je peux pas activer. Ah si, c'est bon. Quand on est bien tous les deux, je peux activer. J'attends juste. Hop. Ah là 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 là. Et les chevaliers n'arrivent pas. Et c'est la poisse, c'est la ils poisse. Bougent pas. Ah oui, mais comme moi j'ai plus ma couronne. Et ça me fait peur de redémarrer. Ouais. Tu veux qu'on redémarre ? Je pense que ça se tente. Attends, je vais juste distribuer les pièces aux gars histoire que. Qu'ils les stockent un peu. Oh, c'est pas grave, il y a plein de fermiers, il y a de l'or partout, tu sais. Luma, c'est pas très grave. Ouais, mais quand même, ça me fait mal au cœur. Allez, vas-y, redémarre. Eh ben, ça marche. Et ramasse des pièces, Luma, il y en a partout, il y en a partout. Donc, la bonne nouvelle, c'était un bug. Je me reconnecte, j'ai à nouveau... Oh, et puis t'as vu le bateau, comment il est beau. Il y a un dragon des mers dessus. Mais oui. Et je crois que ça y est, les chevaliers sont venus. Eh oui. Voilà. Attends, mais il est magnifique ce bateau. On part pour la quatrième île. Non, on revient à la première. Doucement, doucement. Voilà. Je m'emballe. D'abord la première, on dépense les gemmes. Et ensuite, on part pour la quatrième.
Bah vas-y, emmène-nous, dépense. Eh ben. Tu peux pas. Allons-y. Ah, ouais. Ouais, ça fait rien du tout. Alors attends, bah j'y vais. D'accord, j'entends tes pièces qui se dépensent, mais je les vois même pas monter. Est-ce que t'as une couronne sur ta tête? Eh non. Non. Eh ben voilà. T'as piqué ma couronne. Eh oui, voilà, le jeu est punitif. En fait, il va falloir qu'on s'en sorte. Il y a plus que moi qui puis build. Oh la vache. Je vais te faire une suggestion. Tu peux ramasser des sous, tu peux le donner au banquier. Ce serait bien que tu sois plus en vampire, que tu puisses au moins défendre à gauche ou à droite. Oh la galère absolue. Tellement. Je suis désolé, mais l'humain, on va s'en sortir. Ouais, mais bon. Tu rajoutes les bugs du jeu en plus du reste, là, ça commence à devenir tendu. Attends, change d'île, peut-être que tu récupères ta couronne, hein. Connexion du client. Peut-être, peut-être. Mais non, je ne la vois pas. Oh, la misère. Et évidemment, je suis ruiné. Pas pour longtemps. Ok. C'est la première île, ça? Ah, j'ai pas upgrade le phare, j'aurais dû. Tu peux pas, hein, je te rappelle. Oui, 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 j'allais dire je m'en occupe, évidemment, non? C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on survive, que je meure pas. Oh la vache. Ouais. Y'a plus de gazon? Non, mais ici, y'en a jamais eu. Ah, mais faut que je régène, moi. Ce maudit marchand est toujours là. Ça y est, c'est bon. Alors, ils se sont quand même pris quelques dégâts. Ah oui, d'accord, oui, oui. Ah, putain, mais c'est... Bon, bah, je ne peux pas... En plus, je vois le petit truc des pièces qui s'affichent. Ouais, plus de chevaliers. Il y a quand même pas mal de murs contenus, les fermes ont tenu. Il y a beaucoup de chômeurs. Bon, va falloir remettre quand même 2-3 trucs à peu près d'aplomb, mais... Ouais, surtout de l'argent. Oh, merci, Paptimus. Ouais. Oui, la banque, on avait chargé à blinde, normalement. Oui, bah, tu peux déjà récolter les fermiers. Des builders, je sais pas. Mm-hmm. J'en ai pas fait. J'aurais peut-être dû. Ouais. Ouais, là, il faut des builders, il faut des fermiers, il faut plein de choses. Ah oui, d'accord, tous les malheureux, là. Ouais. On est si loin que ça. Mm-hmm. Ah, mais on avait... On était bien, hein. Et du coup, ouais, la statue de l'arc, elle est carrément dans nos murs. D'accord. Bah, on l'a gardée bien au chaud. Je vais complètement à gauche et je vois enfin l'arc. Oh, et c'est quoi alors? Après, il faut payer. Ouais, c'est ça. Tu mets 3 gemmes, après tu payes. Et puis après, ils ont tous le super tir jusqu'au bout. Et ça, tu vas voir, ça fait une super différence. D'accord, là c'est bon. Ici on peut rien faire pour l'instant, on va être sage. Donc notre objectif est fait. Et on peut pas aller au démon de toute façon. Récupérer la deuxième couronne. Non. On n'a plus qu'une vie pour cette série. Ouais. Et attaquer dedans, je suppose que c'est très chaud. Hein. Évidemment. Oui, ça on va éviter. Bah, du coup, là qu'on voit, c'est ce qu'on reblinde un peu toute l'île ou juste on embarque nos troupes comme ça? On reblinde un tout petit peu, hein, on n'a pas besoin. Je peux en faire quoi? Quelques piquets, on a un peu d'argent. Bah, il nous faut plein d'archers surtout. Et des fermiers aussi. Bon, allez, il reste 4 fermiers, mais il y a une ferme qui n'est pas du tout exploitée. Eh ben, je pense qu'il faudrait peut-être l'améliorer. Il nous reste 10 minutes de toute façon avant de refaire une nouvelle session de jeu tous les deux. Autant améliorer un petit peu la première île. Ouais. Je serai de cet avis-là. Et du coup, builder. Je donne des sous. Merci. Je sers à ramasser des sous maintenant. Je suis désolé. Puis en plus, je peux même pas changer puisque faut activer le portrait. On a dit des fermiers aussi. Voilà, j'ai plus un copec.
secondes. Bon, Patinus, tu m'en donnes beaucoup trop. Ah oui, il y avait le marchand, c'est pour ça. Builder, j'en fais encore ou quoi? Donc le phare, on peut pas l'améliorer de toute façon, là, il est au max. D'accord. Oh, ça va, c'est vite de renforcer tout le monde, hein, tu sais, finalement. J'en fais encore masse pesant. Donc là, c'est plutôt laisser les sous au gueux. Ouais, bah écoute, j'ai déjà recruté à droite. Ils arrivent. Et puis améliorer les tours qui existantes peut-être. Bon bah je vais peut-être faire des pièces alors. On va voir les campagnards. Ouais, je te ramène des pièces. Ou je les donne au banquier après tout. Oui. Ce sera le plus simple. C'est hyper frustrant de ne pas pouvoir construire. Bon, j'améliore une tour. Je suis désolé, je l'ai pas vu venir. Et là. Et lui, il pêche un poisson, merci. Oui, j'ai refait quelques lancers quand même. Ouais, j'ai vu. Mais ouais, l'activation de l'archer, tu le recharges après chaque nuit? Comment ça se passe? Ah non, non, il est définitif. Ah oui! Oui, oui. Oh. Bah, là du coup, regarde l'attaque cette nuit. D'accord. Normalement, tu vas voir, niveau précision, ça n'a plus rien à voir. J'ai mon petit Nelson qui me dit c'est l'heure du pâté, mais je dis non, c'est la fin du jeu d'abord. Eh oui, faut pas trop faire attendre le pâté quand même. Surtout un petit minou, allez hop. Non, puis il est pas patient lui du tout. Ok, le plein de pépettes, c'est fait. Bah écoute. Moi, je serais partisan, là, on a bientôt rechargé, je subis l'attaque, et puis on part après. Ça me va. Hein, qu'on voit la nouvelle île pour se poser, puis on arrêtera là. Avant que je me fasse croquer par Nelson. Allez, en défense. Ton cheval est plus haut que moi. Non mais c'est pas juste. On dirait qu'il n'y a rien. Une poule et un coq. Ah si. Bon, les défenses, c'est vrai que là, ça se passe très bien. Comment tu les vois arriver, mais moi ils sont en train de glisser comme s'ils avaient des skateboards. Ah ça le multi hein. Ouais, non, ils courent normalement ouais. Alors, on est bon, l'objectif est réussi, et avec votre permission, on s'en va. Il faut ramasser des sous quand même un peu. Ah mais t'as récupéré ta couronne. Je vais te donner. Tu as ta couronne. Ah merde alors. Ok, je comprends pas la logique du truc, mais c'est pas grave. Ça sent le bug de l'infini là. Tellement. C'est pas grave, c'est pas grave. Si je peux payer des choses quand même. On va au bateau. Ouais, on s'en va. J'ai peut-être la couronne, mais il veut toujours pas que je paye des trucs. Hein. On va voir sur la prochaine île, tiens. Oui, c'est la loterie après tout. Pourquoi pas? Bon, de toute façon, je te donne les sous. Ouais, moi je suis fou là. C'est plus pour toi. Ouais, mais bon, vu que je perds tout à chaque traversée. Donc tu donnes à Papsimus si tu veux, mais. Ok, ok. Bon, ça va, je vais pas lui donner une pièce, il va se sentir insulté. Ah non, attends, il faut que je broute un peu. Je suis désolé, sinon je traverserai pas. Allez, morte bleue!
vers la victoire et l'infini. On va y arriver. Le carillon, t'as par ici? Bah non. Je suppose que si là j'active maintenant, on part tout seul ou ils arrivent? Ouais. Ouais, si on peut pas attendre qu'ils arrivent, on part sans eux. Ah. Quand même, il a failli attendre. Oh, le peuple. Non, ils montent tous. Bah oui. Pépé mémé, on les a oubliés, à ton avis, ou quoi? Oh, ils arrivent au dernier moment. Tu sais, ils sautent dans le bateau. Donc on peut lancer le truc, ils arrivent. D'accord. Calmement. Allez, voilà. Excellent. Et on repart. On va découvrir ensemble la quatrième île sur Deadland. Alors, le plan. Deuxième, c'est fait. Troisième, c'est fait. La quatrième. Il y a une maison avec une sorte d'ingénierie, des poulies et tout. Et j'ai vu un dessin, j'ai reconnu un lézard. D'accord. Ah. Quoi ? Connexion du client et on croise les doigts pour Luma qui a retrouvé son pouvoir ou pas. En fait, j'ai pas dit, mais c'est pas le... C'est le 12e épisode ou quoi ? Mais oui, c'est le 12e déjà. T'as des sous ? J'ai pas de couronne, j'ai pas un sou. Et t'as pas de couronne, non. Non, non. Je confirme. Merci. Donc, à toi les gueux. Et je peux toujours pas dépenser. Oh punaise! Non mais c'est pas possible. Bon bah du coup je peux aller recruter. Et les coffres? Ouais, aller recruter, prendre les coffres, mais faut toujours que je te les donne parce que... Oui. Chaque fois qu'on déconnecte, je perds tout. T'as des sous? Non, j'ai plus rien. Voilà, vas-y, va explorer à droite. Tu risques pas grand-chose. Alors, il y a un truc d'ermite pour les chevaliers, je crois. Ah, donc ça, ça peut attendre. Ouais, ouais. C'est des tours qui permettent d'avoir un quatrième chevalier. Enfin, un chevalier en rabat. Oh. Là, il faut faire popper les poulets. Popper. Allez. Ah, des sous. Voilà, c'est bon. Et ce côté-là, on peut pas... Donc, il y a un portail, un village derrière. Un truc très inquiétant qui demande 2 gemmes. D'accord. Bon, on en a pas, de toute façon. Ouais. Machin tout noir avec des néons. Encore un portail. Encore un sorcier dans une cage. Et encore un portail. Franchement... Et j'ai chopé des gemmes. Voilà, eh ben écoutez... À droite, on a la caverne. Moi, je pense qu'on a déjà vu beaucoup. Je déboise ça. Et ma chère Luma, on va arrêter là. Mmh. T'as des sous sur toi ? Ça marche. Un peu. Ben, je vais te les prendre. Et puis, nous, on vous dit au prochain épisode, qu'est-ce qui va nous arriver ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? J'en sais rien. À bientôt tout le monde. Merci à toi, Luma, de vouloir jouer avec moi. C'est super sympa. L'aventure continue. À bientôt. Ciao.